pense que circuler sans rétroviseur d'abord, c'est un danger. Mais sans rétroviseur, tu ne vois pas ce qui se passe à l'arrière. Amis abonnés, bonjour et bienvenue sur RDI. Pour ce nouveau numéro du micro-trottoir, nous allons parler d'un sujet qui a l'air banal, mais qui est quand même important. Il s'agit des rétroviseurs de moto. Eh oui, les rétroviseurs de moto sont des accessoires indispensables pour un conducteur. Cependant, dans notre pays, le Burkina Faso, certains motocyclistes conduisent sans rétroviseur, d'autres les enlèvent même à l'achat. Préférez-vous conduire avec ou sans rétroviseur? Découvrons ensemble les réponses des riverains et c'est tout de suite. Je pense que circuler sans rétroviseur d'abord, c'est un danger. Parce que c'est pour la sécurité de toi et des autres. Mais sans rétroviseur, tu ne vois pas ce qui se passe à l'arrière. Voilà, imagine, on ne souhaite pas. Il y a un bruit derrière. Bon, il faut que tu te retournes pour regarder, mais s'il y avait le rétroviseur, c'est plus simple, quoi. Moi, je pense que ceux qui enlèvent le rétroviseur, là, ne savent pas vraiment la valeur du rétroviseur. Avec les deux. Les deux, parce que le jour que je me retrouve avec une moto sans des rétroviseurs, je fais avec. Mais je préfère avec. Plus avec, c'est encore mieux et c'est encore facile à la circulation. Moi, personnellement, j'aime vraiment rouler avec mes deux rétroviseurs parce que, en fait, c'est sécurisant. On ne peut pas faire deux choses à la fois, en fait. Tu ne peux pas rouler puis à chaque fois te retourner derrière, voir si quelqu'un vient ou pas, si tu veux tourner ou pas. Donc, c'est toujours mieux d'avoir ces rétroviseurs pour mieux circuler, te sécuriser et sécuriser les autres. On peut rouler sans rétroviseur parce que moi, je roule une grosse moto. Parce que souvent, tu peux rentrer dans un endroit où c'est coincé et que tu ne peux pas rentrer. Bah, moi, je roule une grosse moto. Nous, on roule là où il y a les véhicules. Voilà, vous voyez, non. Mais si avec le rétroviseur, je peux arriver dans un endroit où je ne peux pas passer. Bon, moi, je ne prête pas attention, en fait. Bon, ça fait que qu'il y ait le rétroviseur ou pas, bon, moi, ça ne me gêne pas. Mais il est préférable d'avoir des rétroviseurs. Mais souvent, avec l'âge de la moto, quand c'est un peu bizarre aussi, bon, ça fait que bon, on ne trouve pas ça nécessaire d'en chercher encore. Même souvent, quand je roule des engins avec des rétroviseurs, ça m'arrive souvent même de jeter le regard à l'arrière, vu que c'est une habitude maintenant. C'est vrai que c'est une sale habitude, mais du moment qu'on s'habitue à quelque chose, il est très difficile de se stopper, voilà, du jour au lendemain comme ça. Vous l'avez vu, tous n'ont pas de rétroviseur, mais tout le monde reconnaît leur importance. Et vous, si vous pensez pareil, nous vous félicitons. Dans le cas contraire, nous vous encourageons à conserver vos rétroviseurs et à les utiliser en circulation. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. À bientôt !